The Ring was the problem. Ah bah là, du coup, on dirait une sacrée boucaquée. Hein. Là, tout de suite, c'est genre boucaquée par Alien Vert. C'est absolument immonde. Hein. Splef, splef, splef. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Comment ça, c'était gênant quand j'ai chanté? Tu réécoutes ça en boucle et tu me fais un remix. Des bisous. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vexaki dans ce tour pour le nouvel épisode de Restart le serveur Minecraft modé de la Team Patrick, épisode 10 si je ne m'abuse. En vrai, on a fait 10 épisodes vidéo, mais on a fait plus d'une trentaine de streams déjà sur le serveur. Rien ne va plus, le nombre d'heures sur ce jeu est déjà beaucoup trop élevé. À combien d'heures on est? Tiens, regardons. Serveur default, leaver machin, template, on est à combien? On est à 134 heures sur le serveur, mais c'est absolument n'importe de quoi, sachant que moi c'est pas des heures où je suis AFK, parce qu'il y a déjà des gens qui sont là qui ont plus de 100 heures mais qui sont AFK. 134 heures sans AFK une seule seconde, c'est quand même magnifique. Bon, j'avoue, j'ai été pissé une ou deux fois. Alors aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Eh bien, j'ai plusieurs choses à vous montrer. En effet, nous avons fait un live hier soir où nous avons upgrade notre miner, enfin. Mais vous êtes en train de vous dire, comment est-ce que tu voles, Bexaki? Eh bien, je vole grâce à... Ah rien, si, avec une Angel Ring, nous avons crafté une Angel Ring, une fameuse, le craft, ou du moins un des crafts les plus chers du serveur, un des crafts qui demande le plus de ressources, qui consomme le plus tout simplement d'objets, etc. Et nous pouvons donc maintenant eh bien, voler comme en créatif, tout simplement posément détendu, et surtout en stationnaire parfait, c'est absolument génial. Alors comme vous l'avez pu le voir, elle consomme des GP, c'est tout simplement l'unité énergétique de Extra Utilities qui se génère notamment ici via des Watt Metal avec ce setup là. Donc c'est le setup optimisé, si vous le voulez il est là, vous pouvez le recopier, ça produit une chier de tout simplement GP. Là je crois qu'on est sur du 16 par blockinette. Il y en a un petit ici, c'est pareil, celui là est aussi faisable si vous n'avez pas le nombre de blocs nécessaire. Si je vous montre un petit peu le craft, la watermill est donc ici, voilà. Le craft n'est pas très compliqué, il suffit de pouvoir mettre tout simplement de la stone polished dans un résonateur. Les résonateurs sont là, donc en attendant de pouvoir faire fonctionner le résonateur, vous pouvez faire 2-3 panneaux solaires. Et une fois que vous avez de quoi faire tout simplement les résonateurs, vous pouvez tout simplement passer sur les watermill qui sont peut-être un peu chiants à crafter, mais qui sont au final très worth et très pratiques. On adore, on adhère, comme dirait l'autre. Alors, de la même façon, nous avons upgradé le miner. On l'a passé tier 2, puisque de ce fait, on a utilisé beaucoup de ressources durant le processus de craft des Angel Rings. Je vous dis ça comme ça, il y avait quand même 256 blocs d'iron. Il y avait de la même façon 128 blocs d'or. Nous avions de la même façon à utiliser quelque chose comme 64 blocs de diamant. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à crafter et du coup... très cher. De ce fait, nous avons upgradé le miner de tier 2. Toute la nuit, il a tourné avec une lens bleu cyan. Alors celle-là, on a remis une blanche parce que de ce fait, la bleue ne te permet que d'avoir des minerais bleus, ou du moins en majeure partie. Et ensuite, eh bien, nous l'avons repassé en format blanche pour miner un petit peu de tout, notamment puisque c'est la grosse zèche au niveau de l'iron et qu'en une nuit, ça en a à peine miné une quarantaine. Donc de ce fait, eh bien, je suis repassé sur une lens blanche, toujours alimentée par le même panneau solaire. Puisque ce tier 2 produit plus de ressources, coûte plus cher à crafter, mais consomme moins de courant. Le tier 3 consommerait encore moins. Le solar panel ici suffira à alimenter tous les tiers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul truc, c'est que ça va coûter de plus en plus cher. Puisqu'au final, pour faire ce craft-ci, il fallait 32 blocs tier 2. Sauf que pour le tier 3, par exemple, il faudrait 64 blocs tier 3. Ce qui représente tout simplement eh bien, le double en blocs T2. Donc en fait, il vous faut toujours plus de blocs T2 pour faire le tier du dessus. Ce qui nécessite toujours et toujours plus de craft. Et pour l'instant, on va rester sur un tier 2. On verra pour un tier 3 plus tard. Alors quand je vous disais que c'était la dèche au niveau source, à part de l'or où on en a une petite chier, le reste on est un petit peu en dèche. Alors bon, bien sûr les autres je les ai pas process, on a des centaines de d'iron, de silver, etc. D'iron, de copper et de silver qui sont là-haut, mais pas encore d'iron. On est en train de justement de se refaire sur l'iron et c'est en cours doucement mais sûrement. Alors de la même façon, il faut que je vous montre ici Botania. Alors Botania, on a fait quelques changements, vous vous souvenez ici, actuellement on brûle des bûches. Le seul problème de ces
ces bûches, c'est qu'au final on ne génère pas beaucoup en soi. Ça fait beaucoup de travail pour pas grand chose niveau mana en fait. Parce qu'une bûche produit deux bûches en haut, donc seulement deux charbons. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement eh bien, poser un crafter entre les deux pour s'interposer et tout simplement eh bien, changer les bûches en planches, ce qui nous multipliera eh bien, bien évidemment, leur efficacité et qui permettra eh bien, que ça tourne un petit peu plus rapidement ou du moins en continu. Ensuite on n'aura plus qu'à faire ici bon, ce coffre là qui se remplira de charbon bien évidemment et on pourra ensuite le relier pour que ce soit automatique ici avec le mana ou le laisser en semi-manuel comme actuellement, c'est pas bien grave. Alors malheureusement, tout de suite maintenant, on a un petit problème. Je crois que c'est un petit bug ou quoi. Plus le serveur avance, plus on a de petits bugs. C'est très emmerdant, mais c'est pas grave. On a eu la pomme du grisaille, hein, au passage. Enfin, le fruit de la grisaille hors caméra de la même façon. C'est très très pratique. Nous sommes très contents. Je dis nous parce que je parle de moi et des viewers au final, de vous. Comme de ceux qui regardent les streams. D'ailleurs ce soir stream à 21h encore une fois si vous regardez cette vidéo à la date de sortie ou n'importe quand en fait parce que cette vidéo je live tous les jours 21h de toute façon. Mais si on prend par exemple Botania ici, je peux prendre par exemple ici, c'est ce que je vais faire justement pour permettre d'avoir plus de mana ou du moins d'être plus serein avec le mana. Il me faudra un mana distributeur, voilà c'est ça. Donc il faut 2 mana steel et 56, non ça ferait beaucoup. Le reste en justement living rock, il m'en faudra un deuxième. Alors on va en faire un deuxième tout de suite pour tout simplement être tranquille et être toujours symétrique. J'aime bien avoir quelque chose de symétrique, donc on va rester sur symétrie axiale, lol pas du tout. Et on va tout simplement, alors là on va vider le mana. On va vider le mana puisque du coup on a du mana qui ne sert actuellement à rien et on va devoir casser les mana pools donc le mana serait perdu. Donc on va faire tout simplement du Terra Steel pour tout simplement eh bien, évacuer du mana et pouvoir justement eh bien, hop, avancer un petit peu, bouger le setup puisque comme ça en fait il ne me plaît pas. C'est-à-dire que là, il faut toujours que je change à la main, etc. C'est embêtant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 mana distributeurs qui vont distribuer chacun à 4 mana pools différentes. Et ce sera très bien, ça va très bien fonctionner. Et on sera beaucoup, beaucoup plus efficace sur la production de mana comme ça. Yolo patalo. De la même façon, vous pourriez vous poser la question du pourquoi est-ce que mon armure est invisible. On a mis de l'encre, hein, de l'encre blanche qui la transforme en invisible. Je ne sais pas si je vous en avais parlé à la dernière vidéo déjà de l'encre, mais je crois vous en avoir déjà parlé, donc vous le savez. Mais c'est pour ça qu'on ne voit pas mon armure et j'ai laissé les tout simplement Angel Ring en transparente pour justement eh bien, avoir l'impression d'être tout nu, hein, tel un naturiste, alors qu'en fait je suis bel et bien habillé, hein, bien sûr. Bien, du coup, nous avons maintenant 2 mana pools. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre band of mana pour tout simplement, eh bien, contenir plus de mana. Je crois que maintenant, on est sur 2 mana pools entières avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est que pour pas gâcher le reste de mana, on va justement, eh bien, tout simplement charger notre petite bague dedans. Je vous rappelle que le mana est utile pour beaucoup de choses et notamment utiliser notre bouffe illimitée qui est le fruit de la grisaille, puisque ça ne fonctionne que, comme vous pouvez le voir, si nous avons justement du mana. Elle est tranquillement en train de se charger. Hop, de la même façon, je vous rappelle que nous avons dans notre inventaire, notamment ici, une Greater Band of Awa, qui est techniquement censée produire du mana. Ça en produit très très peu par contre, donc je vais vous avouer être moyen convaincu. Mais bon, peu importe, elle est censée en produire, disons qu'elle le fait. YOLO. Après le mana, je vais en avoir de moins en moins besoin. Je vais avoir besoin encore de Terra Steel, tout simplement. Pourquoi? Eh bien pour crafter notamment la... C'est quoi ça? Mana Flux Field. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va dire que oui. Je vais avoir besoin de Terra Steel un tout petit peu pour justement eh bien, pouvoir me crafter l'armure. Histoire que ce soit fait et qu'on soit peinard en fait, la Terra Steel Helmet et le reste. Hein, pour pouvoir tout simplement eh bien, être plus posé, avoir l'armure Terra Steel qui diminue, si je vous montre le shift, elle diminue le coût en mana des outils, slash la bouffe, etc. Et du coup on aura l'occasion de la faire. Il va juste nous falloir 12 de Terra Steel. Donc c'est pour ça que pour l'instant on a besoin de beaucoup de mana. Et ensuite le mana nous servira simplement, et c'est pour ça que j'aimerais que ce soit automatique et qu'on soit peinard pour pas que j'ai à le faire à la main, pour tout simplement eh bien, recharger notre nourriture et justement eh bien, nous prendre un petit peu de répit et avoir pu avoir besoin justement de s'emmerder à se faire chier, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit cliquetis? Le cliquetis c'est la petite tout simplement clock qui est ici, qui fait tomber les pommes toutes les 4 secondes en fait, 6 pommes il y a, qui sont chopées là-bas, pour générer du mana avec la Gourmarilis qui est là. Regardez, notamment vous l'avez vu, la pomme là qui s'est fait manger, avec 4 secondes de digestion,
Donc toutes les 4 secondes, bam, une pomme. Alors de la même façon, je disais, donc on va mettre les mana distributeurs, on va les mettre de ce fait, alors attendez, il faudrait les placer correctement, on va les placer ici et ici. Pourquoi je pose un bloc? C'est tout simplement pour pouvoir, hop, il est passé où le deuxième? Il est passé où le distributeur? J'ai un problème en fait sur ce serveur, j'ai des items qui disparaissent en fait. J'ai juste des items qui disparaissent quand je fais un shift-click. Il s'avère que tout hier déjà, on a eu le problème. On a un item qui a disparu, c'était le contrôleur. Le contrôleur a disparu parce que j'ai fait un shift-click. Donc si je peux vous inviter à pas faire de choses, c'est de pas faire de shift-click. Puisque j'ai l'impression qu'en fait, sur le serveur du moins, hein, après, sur de votre côté, sur votre aventure solo, je doute que le problème occure. Mais ici, nous avons un problème, notamment avec des items qui despawnent quand tu fais un shift-click droit. C'est très bizarre, mais yolo patalo. Bien, alors, donc maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à placer les mana poules autour en fait pour être peinard et surtout être peinard et encore plus être peinard. Voilà, comme ça, je vous invite à pas faire de shift click encore une fois, sinon ça va despawn. Parfait comme ceci. Et si jamais on a besoin de faire des runes, bam et bam. Voilà, absolument génial. Le setup est très joli, j'aime beaucoup. Ça rend pas mal du tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller, bien évidemment, les links. En allant à la cave, vous prenez votre petite baguette de linking. Shift clic droit sur la première cible, puis sur de ce fait. Où est le mana distributeur? C'est lequel? Ça, c'est une mana pool, c'est ça. Hein. Voilà, bah, est-ce que ça va fonctionner? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un problème. C'est-à-dire que là, tout de suite, il ne se vide pas. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est trop loin? Est-ce que c'est parce que c'est en dehors de la range? J'ai une solution, ne vous inquiétez pas. Bexakid a toujours une solution. Quand solution existe, bien évidemment. On va les mettre... Ah, vous avez vu? Il a disparu. Et on a perdu un mana. On a perdu un mana. C'est tout, on l'a perdu, il a décidé de se barrer. Voilà, il nous a regardé, il a fait « Oui, mais tu sais, Bexakid, j'ai un petit peu la flemme, en plus c'est surfait, de toute façon. » Donc il faut que j'en refasse, hein, c'est génial. Il va falloir que j'aille me plaindre à Prozer que nos items disparaissent quand on fait un shift-click. Alors dans le doute, j'ai bien envie d'essayer quelque chose. Attendez, je vais faire un shift-click droit avec ça. D'accord, donc là ça a fonctionné. Alors j'ai un doute, je me demande si le shift-click droit... D'accord, je sais pourquoi. Alors attendez, on va faire le test. Hein. Vous avez bien vu que là ça a fonctionné. Si je remets ma bague, est-ce que ça va le faire? Ah, il despawn. Donc je pense que c'est bel et bien un problème lié avec notre bague ici de Thor. Enfin là c'est la bague de Aesir qui contient notamment 3 bagues. Alors la bague d'Aesir elle contient 3 bagues. Elle contient... Ah c'est bon, je l'ai remis sur moi, j'ai eu peur qu'elle ait disparu. Elle contient notamment tout simplement la bague, alors je vais l'acheter, voilà. Elle contient 3 bagues, elle contient notamment la bague de Loki qui permet de transporter des items d'un endroit à l'autre. Et donc je suis en train de me demander si c'est pas ça qui bug et qui fait complètement despawn nos items. On a la solution. Bon bah c'est bien, au moins cette vidéo aura servi à ça. Nous saurons qu'il ne faut pas avoir la bague de Loki sur vous. Donc je vous invite à juste garder la bague de Thor sur vous qui est très... La bague d'Odin qui permet d'éviter les dégâts de chute ou autre. Si je ne m'abuse, elle permet d'éviter les dégâts de lave aussi et ce genre de dégâts. Donc on aime, regardez si je fais ça. Voilà, j'ai rien pris du tout. C'est bien cette bague là qui nous en empêche. Donc voilà, mais c'est cette bague là qui nous fait bugger. Bon bah très bien, au moins on aura la solution à cette question. C'est cette bague là qui fait bugger. Voilà, donc maintenant je n'ai plus la bague. On va pouvoir tout simplement bien réaliser nos shift clics. Je pense que c'est aussi ça qui a fait bugger tout à l'heure le bousin, hein, je pense. Alors, mais du coup, où est-ce que je les mets? Mais alors, attendez, la Rosa Arcana. Oups, pardon. La Rosa Arcana, tout de suite, on va les mettre où, nos petits machins, du coup? Bah, je pense qu'on peut les remettre à leur place d'origine, au final, hein, puisque on devrait pouvoir, de ce fait, s'en sortir maintenant qu'on a plus le truc sur nous. Je pense que c'est ça qui posait problème, en fait. Voilà, c'était en effet... C'était bel et bien, ça, voilà. C'était la bague qui posait problème. The ring was the problem. Ah, c'est comme un prisonnier qui sort justement de prison, hein. Ça faisait 6 mois que ça emmagasinait du mana, du coup ça déverse dans les douches à une violence plutôt inouïe. Mais BX, c'est super dégueulasse ce que tu racontes. Oui. Et pour celles qui étaient un peu curieuses et curieux, vous auriez tout simplement bien ici le craft notamment de notre très cher Angel Ring que vous n'aviez pas vu. Il nous faut du Ardennel Lumium Glass, donc ça c'est juste du Lumium qui se fait avec du Silver et de la Glowstone je crois, enfin vraiment tout bête. De la même façon de l'obsidienne compressée, ici il nous fallait 3 Wither Stars, c'est pour ça qu'on avait fait Nether Star, pardon, c'est pour ça qu'on en avait fait autant la dernière fois. De la même façon ici c'est là que ça coûte un peu plus cher, il fallait tout simplement...
4 paires d'Elytra, des bouteilles d'XP, de la Chorus, et c'est là que ça demandait beaucoup de blocs, notamment 512 Red Coal. Le Red Coal, je vous rappelle que c'est tout simplement, eh bien ici, du charcoal dans des, tout simplement, Resonator, et ensuite ça peut être machin. Boost fuel efficiency with additional GP up to 7% of efficiency booster, 280%. Hein, c'est intéressant ça, parce qu'en fait on pourrait s'en servir pour produire du mana, cette merde. Oh, faudrait essayer si ça marche. Essayons voir si ça marche avant de nous laisser. Avant de nous laisser, est-ce que ça fonctionne? Alors regardez, ça risque d'aller très vite. Hein. Voilà. Ça va relativement vite vu qu'on a mis des upgrades dedans, en fait, tout simplement. Voilà. Si je prends ça et que je vais tout simplement essayer de le donner à une plante, voyons ce que ça va effectuer. Épilepsie! Est-ce que ça va fonctionner tout simplement? Alors, si j'enlève ici tout ce qui est dedans, que je prends ça, on va attendre qu'elles aient terminé de faire leur petite flamme. Voilà, elles vont terminer. Si je mets ça là. Ah, ça fonctionne, hein! Ça fonctionne et écoutez, ça a l'air de. Ouh, ça a l'air de faire des grosses bulles vertes. Enfin, je crois que c'est les mêmes que d'habitude, mais ça a l'air de faire des grosses bulles vertes longtemps en fait. Et ça a l'air de durer. Oh, est-ce qu'on ferait pas ça? Je ne sais pas encore. Écoutez, je ne sais pas vraiment comment on va s'arranger. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que, au final, avec les planches, on en aurait besoin? Je ne sais pas trop. Mais enfin, anyway, nous verrons. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cet épisode de Restart. On se retrouvera dès après-demain pour le prochain épisode. On a encore plein de choses à faire sur le modpack. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser savoir si de 1 ça vous a plu, si de 2 vous avez des recommandations, notamment pour cette ferme de Témor. De nouveau, on se retrouve dès après-demain sur la chaîne ou encore une fois en stream tous les soirs à 21h. Hop, you like it.